Podcast 1995. Et désolé si pour l'instant Swag n'est pas là. Il va venir dans 2 minutes à peu près, même pas. Allez, j'ai un énorme lot de jeux. Alors déjà, on va commencer par déballer les colis. Parce qu'après, je suis allé chez Game Cash puis aller récupérer des jeux PS3. Et je suis allé la semaine dernière chez Cash Converter pour récupérer des jeux. Alors ça, c'est un jeu PS3. Et c'est... Attention. Est-ce que c'est Black Ops 3? Oui, c'est Black Ops 3. Oh, génial. Voilà. Voilà. Attention, on va ouvrir. Ouah. Voilà, donc nous avons le jeu. Nous avons la feuille de commande. Et par contre, là, il y a un téléchargement numérique de Black Ops 1. Moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà le jeu. Et là, vous avez un petit code. Et pour télécharger Black Ops 1, voilà. Et là, c'est des trucs de pays. Alors, on va voir le jeu, comment il est. Bon, il n'y a pas de rayures dessus, mais il y a quelques traces de... Il y a quelques traces de doigts. Il y a des petites traces de doigts. Allez, Black Ops 3, c'est bon, il est en très bon état. Alors ensuite, nous avons un gros colis. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a deux jeux dedans. Oui, nous avons deux jeux. Je crois que vous pouvez même voir ce que c'est. Swag est arrivé. Alors là, vous pouvez voir ce que c'est. Nous avons... Oh my God. Nous avons LittleBigPlanet 2. Et Gran Turismo 3. Mon jeu. Enfin, il est là. On n'a pas besoin de la PS Move. Hein. On peut... Attends, voilà. Oui, optionnel. Donc, je crois qu'on peut... Oui, je crois qu'on peut utiliser la manette. Non, ça c'est juste pour bouger la tête. Wow, en plus il est en excellent état. Et vous voyez là il y a un art. Et ça c'est génial. Voilà la notice, le jeu. Il est complet celui-là. C'est mon jeu PS3 préféré. Attends. Donc Black Ops 3 c'est bon. Little Big Planet 2 c'est bon. Ensuite le Gran Turismo. Non. Oh. C'est bon, celui-là aussi il est complet. Nous avons le guide officiel. J'espère qu'il n'y a pas un code. Non, ça va. Et nous avons la notice, bla bla bla. Est-ce qu'il est en bon état? Bon, il a un tout petit peu rayé, mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça va fonctionner. Et fais voir le derrière. Derrière, je l'ai déjà montré. Bon, c'est bon. Les trois jeux, c'est bon. Voilà, ensuite, nous avons les jeux que j'avais récupérés la semaine dernière à Cash Converter. Donc, nous avons Synthro 3. Je suis content parce que on me disait beaucoup. Je regardais beaucoup de gameplay dessus et c'était trop bien. GTA surtout. C'est GTA ce truc. Wow, le disque il est un peu rayé, mais je l'ai testé, mais il marchait bien. Donc j'ai pas besoin de vous faire une vidéo c'est découverte. C'est moi qui l'a testé, en tout cas. Nous avons Battlefield 4. Alors là, c'est, je suis sûr que beaucoup de gens vont être contents. Oui, je sais, il y en a qui vont dire, il y a Battlefield 5, les nouveaux. Mais bon, celui-là, j'ai eu pour 3€. En plus, le ticket, il est dedans. Je vais vous montrer. Regardez. Le jeu d'hiver, c'est Battlefield. Et là, vous pouvez voir, c'est Synthro. Le jeu, il est comme neuf. Voilà. Voilà, ça, tout ça, c'est bon. Ensuite, nous avons le SmackDown versus Raw 2009 sur PS3. Parce que avant, je l'avais sur PS2, mais je le recherchais. Je l'ai pas trouvé pour moins de 1€. Du coup, j'ai décidé de prendre la version PS3 et je l'ai eu pour 2€. Le SmackDown 2008 aussi, vous en rappelez. Le CD, il a juste une seule rayure, mais il n'y a pas d'autres rayures. Et le dernier jeu que j'ai pris à Cash Converter, c'est Prototype.
Et il est complet celui-là aussi. Hop. Et celui-là aussi il est comme neuf. Ensuite, les jeux que j'ai pris de mes Game Cash aujourd'hui. Ensuite, d'abord, nous avons le Call of Duty World at War. J'ai pu l'avoir en solde pour 5€ à la place de 7. Voilà, mais par contre, j'ai vu que ça prenait 60Go. Je sais pas si ça va prendre vraiment. Attention, waouh! Donc, celui-là, il est complet. Donc, vous pouvez voir, j'ai acheté Call of Duty World at War, GoldenEye 007 et Medal of Honor Warfighter édition limitée. Pareil, bon état, très bon état. Ah. Ensuite, nous avons Medal of Honor Warfighter Limited Edition, donc édition limitée. Voilà. Voilà, ensuite, nous avons le petit truc en ligne, mais ça s'en fout. Le CD. Pareil, des petites traces, mais il n'y a pas de rayures. Et nous avons un petit art derrière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier jeu que j'ai pris, c'est le GoldenEye 007 Reloaded. Donc je suis bien content pour ça parce que j'ai regardé beaucoup de gameplay dessus pendant quelques mois. Et il était trop bien. Oui. Alors celui-là, par contre, il est pas complet, il n'y a pas de DLC, mais c'est pas grave. Et le CD, il est un tout petit peu rayé, mais je sais que ça va fonctionner. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo de découverte de beaucoup de jeux. Donc nous avons eu Prototype, Call of Duty World at War, Medal of Honor Warfighter, Little Big Planet 2, Black Ops 3, Gran Turismo 3, Battlefield 4, Synthro, SmackDown 2009 et le GoldenEye Reloaded. Et voilà. Donc ça serait tout pour... Alors déjà je vous montrais le Medal of Honor Warfighter, écoutez, 4,95€, donc on peut dire 5€. Et attendez, je vais vous montrer le ticket si vous l'avez pas vu. Donc Call of Duty World at War m'a coûté 5€, GoldenEye 007 Reloaded m'a coûté presque 10€, c'est le plus cher, et le Medal of Honor Warfighter 5€. Donc ça m'a coûté, à la place de 19,90€, puisque j'avais un compte EcoGamer, 19,10€, et j'ai 1€ en EcoGamer jusqu'au 31 décembre 2019. Oh, vous m'avez pas oublié. Et voilà, merci pour d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour découvrir tous ces jeux. À tout à l'heure. Je coupe la vidéo. Ciao. Allez, maintenant on va tester le Gran Turismo 3 sur PS2. Toujours avec moi. Non, pas vrai. J'espère que vous voyez bien comme ça. Allez. Avant hier, je vous ai montré un let's play de Call of Duty 3. D'ailleurs, les données, vous pouvez voir, elles sont là. Et là, on va jouer à Gran Turismo. C'est parti. On va monter. On va monter le son. Si vous pouvez bien voir, silence. C'est toi qui fais le bruit en disant ça. À mon avis, je vais me faire chier. Thank you.
Pour une course et pour tester le jeu. Par contre, il y a un peu trop de bruit. Hein. C'est parti. Comment on fait pour changer la caméra? Ah, c'est bien bon. Là, par contre, c'est pas gagné, c'est de voir si le jeu fonctionne. Merci. Ouais, c'est quand même bon des graphiques. Voilà, le jeu fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! On va maintenant mettre le Call of Duty Black Ops 3 dans la PS3. C'est parti! Ok, l'a repéré. C'est parti! C'est parti pour Call of Duty Black Ops 3. Merde, je dois faire une mise à jour. Bon, on se revoit. À tout de suite, je vais couper. C'est bon, on se retrouve enfin avec la mise à jour faite qui a duré plus de 30 minutes. Parce qu'on m'a pris plus de 2 gigas. Ah, reconnecte-toi à la manette. Allez, merci. Bon,
cible à abattre. Allez, je vais faire une partie. Allez, ça va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. La partie va commencer. En plus, sur la version PS3, c'est même du 1080p, c'est ça qui est génial. Allez, ça va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va d'abord faire multijoueur, mais le zombie, je vous montrerai plus tard. Parce que là, c'est juste pour voir si le jeu il fonctionne. Et vous pouvez voir mon PSN. Il est en haut à droite. Match à mort par équipe. C'est bon, je vous couvre. C'est épais, écrasez toute résistance. Ah merde! Putain, mais comment je fais pour viser? Qui me tire dessus là? Merde! Comment elle a fait ce fils de pute? Hein? Drone en approche. Enfin, mon premier kill. Comment ça, je me suis fait tuer?
guerrier liquidé. Ennemi à terre. Voilà, le mode multijoueur il fonctionne. Et le jeu il fonctionne parfaitement aussi. Oui. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Allez hop, on quitte tout ça. Quitter le jeu. Oui. Ok, Black Ops 3 ça fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais couper et après on va se retrouver pour le test de on va tester quoi? On va tester GoldenEye Reloaded. Allez, à tout de suite! On va mettre le GoldenEye Reloaded dans la PS3. C'est parti! Il a repéré le jeu. J'espère que la mise à jour. Il y a une mise à jour. D'accord, il y a une mise à jour. Oh, c'est rapide! D'accord, je ne savais pas. La mise à jour, elle est très rapide. Et c'est parti. Encore, oh non, ça va encore prendre plus de 3 gigas. Bon, on se retrouve dans un instant une fois que les données sont installées. Ciao, à plus. Enfin, on est de retour parce que les données du jeu vont être installées et le jeu va commencer. Je vais juste montrer le premier niveau du jeu. Juste montrer le premier niveau pour voir si le jeu fonctionne. En recrue parce que sinon je vais me faire tuer direct. Bonjour 007, bienvenue au centre d'évaluation des agents du MI6. Comme vous le savez, ce programme est obligatoire pour les 00 et seuls les meilleurs pourront continuer d'opérer sur le terrain. Bonne chance.
Continuez, Bond. Oui, je sais, je l'ai déjà fait. J'ai déjà regardé beaucoup de gameplay dessus, donc je vous jure, moi j'ai adoré ce jeu. Oui, je sais. Damn! Bon, c'était pas très discret ce que j'ai fait. Sensibilité, elle est un peu trop élevée. C'est bon, il n'y a plus de caméra. Damn. Voilà, le jeu fonctionne parfaitement. On ne connaît même plus la version 64 quand on joue à ce jeu. Parce que je vous rappelle que ça, c'est un remake de la version Nintendo 64. Ah, on pouvait passer, moi je croyais qu'on pouvait pas passer. D'accord, donc le jeu fonctionne parfaitement, c'est génial. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Le jeu fonctionne parfaitement. Je vais couper, là on va tester un autre jeu. Ciao les potes. On va maintenant tester le Call of Duty World at War. Attention, c'est parti. J'espère que la mise à jour elle est pas longue. Oh ça va, 176 mégas, ça va. En plus il reste à peu près un peu plus d'une minute. Bon ça va, ça va. C'est pas trop long. Comme par rapport au Black Ops 3, c'était pas très long.
étiquettes parce que j'ai pas envie d'avoir des étiquettes dégueulasses sur mes boîtes. Et après ça, on mettra le Medal of Honor Warfighter. J'espère que ça va pas prendre 60 gigas. Parce que j'avais vu des gens qui avaient laissé des traces sur cette console. Parce que avant, je l'avais pas eu. Et peut-être qu'ils ont joué à ça. Et ça a pris que des mégas. Attention, la mise à jour va être finie. Voilà. Attention. Non, elle est... Il manque encore l'installation. C'est bon. C'est parti. Moi je vais faire un zombie parce que campagne ça va être trop long. Déjà que les modes zombies c'est comme dans les Black Ops normalement. En plus moi j'aime bien ce style, c'est Seconde Guerre mondiale. Thank you.
une manche et après c'est bon. Cette manche là c'est pour cette vidéo, c'est pour la dernière manche. Ok, le jeu fonctionne parfaitement. C'est trop bien. Maintenant, on va tester le dernier jeu qui est en édition limitée. Et c'est le Medal of Honor Warfighter. C'est parti! J'espère qu'il n'y a pas une longue mise à jour comme dans les autres. Ah, ça va. Oh my god, 4-5 minutes. Bon, on va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve enfin in game pour la vidéo test de Medal of Honor Warfighter édition limitée. C'est parti. Installation du nez du jeu. Oh non, ça va prendre encore longtemps. Je suis désolé, mais je ne vais pas couper cette fois. Parce que là, ça prend moins longtemps que la mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a? Elle filme. Ah. Et tu me dis pas ABM, tu me dis TAWS. Ça va prendre 1,70 giga. Après, on va tester ton jeu, Little Big Planet. Ok. Après Medal of Honor, on va le tester.
tout terminé. Allez, c'est bientôt terminé. Non. Non. C'est parti. Oh non, j'ai oublié de me mettre en facile. Thank you.
Go, à couvert. Fonctionne parfaitement. Vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour le jeu de Swag. À tout de suite. On va maintenant tester le jeu de Swag. Le dernier, c'est Little Big Planet 2. Allez, c'est parti. Voilà. Et c'est quoi ça, extra? Oh putain! J'ai rien touché. Il a bougé tout seul. Attendez. Les amis, la caméra est tombée d'un coup tout seul. Hein. C'est pas moi, je vous jure. J'ai rien, on a rien touché. Moi non plus. Allez, hop. Moi, j'ai voilà. Juste vu que le câble a bougé. Imbécile, c'est toi encore là! Mais j'ai rien fait! Si! C'est la table! Imbécile! Tu fais encore une fois, je teste pas ton jeu. Je peux pas bouger. Regarde, je bouge pas. Attends, mise à jour. What? C'est trop long. Regarde. 1 sur 32. Bon, bah on va couper la vidéo et on va reprendre après. Allez. On va... enfin pouvoir continuer la mise à jour qui a duré une heure et j'ai attendu plus, ici plus j'ai alors, attendu une heure ici. On va commencer, alors je sais pas ce que c'est, extra 3 heures même. C'est les bonus de vidéo et l'en ligne. Non mais t'inquiète, je connais. D'accord,
Allez, on va maintenant faire la vidéo test de Little Big Planet 2. C'est parti. Le meilleur jeu de tous les temps. Non, c'est l'un des meilleurs Little Big Planet. Le meilleur, c'est déjà le 3. Ah, ça c'est sûr. Le karting, c'est le deuxième meilleur. Ouais, ouais. Et le troisième meilleur, bah c'est le 2. Ouais. Et le 1, bah il est pas très bien. Ok, bah. On sait déjà ce que c'est. Installe Sackboy, installe les données du jeu. Ne pas réinitialiser ou éteindre la console. Sackboy. Little Big Planet 2 plutôt. Quoi? Tu as porté ton profil, je fais quoi? Je fais oui. T'as pris tes skins. Il a reconnu que t'avais ton skin dans Little Big Planet 1. Ah bon? Oui. C'est génial. C'est pour modifier l'écran. Moi j'ai fait du premier coup. Ce jeu contient beaucoup de verre. Désolé, mais ça contient beaucoup de verre. Non. J'aime bien voir ce petit truc. J'adorais voir cette petite cinématique quand je vais regarder le trailer. Ça a beaucoup bercé mon enfance. Il t'a vu connaître ? Oui, cette cinématique-là. En fait, toutes les imaginations. La fantaisie. Les idées. Où vont-ils se réfugier lorsque la vie nous ramène à l'instant présent? Un par un, ils glissent vers l'imagisphère cosmique. De l'univers des atomes à celui des galaxies, ils dansent et ils tournoient, aussi libres qu'insouciants. C'est ce qu'on appelle le palais cosmique de l'univers. Et parfois, il arrive que cette danse génère des choses merveilleuses. C'est grand et petit. Petite grande planète, ça veut dire. What? Bah, swag. Il y avait notre moralie aussi. On a déjà joué à la démo de ce jeu. Oui. Oui, je recharge mon mec. Le skin. Ouais. Bienvenue dans Little Big Planet. Tu reconnais sûrement ton Sackboy, habillé attends-moi. Tel que tu l'avais laissé. Si tu as besoin d'un petit rappel, utilise le joystick gauche pour le déplacer et la touche action pour sauter, que tu veuilles faire un petit bond ou un grand saut. Tout va vite te revenir. Tu es quelqu'un de futé. Allez, c'est parti. Pourquoi je n'existe pas, monsieur? Il n'est pas toujours bien vu de se promener dans le monde de Little Big Planet, les coutures à l'air. Oh, il faut donc parfois se conformer aux règles et s'habiller, cacher ce corps de rêve. Dans Little Big Planet, il est aussi simple d'utiliser des tenues que de s'habiller. Ici, tu n'as même pas besoin de renifler tes vêtements avant de les porter. Appuie sur la touche menu pour ouvrir ton profil. Et parcours les différentes icônes avec le joystick gauche. C'est juste une vidéo test, d'accord? Et le jeu on essaiera de le terminer à partir de demain. Ok? Utiliser des mimiques visuelles mélodramatiques, c'est-à-dire des expressions faciales. Enfin, si tu as la comédie dans le sang, ce jeu commence à vieillir. Tu as des tas d'expressions à ta disposition. Les touches directionnelles de la manette sont tes pastels et tes doigts sont tes pinceaux. Tu vas donc pouvoir te peindre le visage idéal. Appuie sur O pour faire un beau sourire ou sur bas pour bouder. Appuie sur la touche gauche pour avoir l'air effrayé ou sur la droite pour avoir l'air dur. Oh, on dirait que tu es sur le point de botter les fesses de quelqu'un, non?
Tu peux aussi te secouer et remuer ton popotin jusqu'au bout de la nuit en agitant la manette sans fil. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas de manette sans fil. Respectivement la tête ou le bassin en appuyant sur la touche L3. Allez. Maintiens les touches de membres enfoncées et bouge les bras dans tous les sens avec les joysticks. Pour avoir des mains. Eh bien, on dirait que tu as le rythme dans la peau, toi. La grande place. Non. Allez, on y va. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes 35. What? Pourquoi moi je cours pas? Je sais pas. Je suis bugué. Oula. Je ne vais plus avoir assez de place. Je vais plus avoir assez de place pour filmer après. On peut pas passer? Non. Non. Elle nous a bouffé. On va pas être dans le underground. Dans un monde lointain, oublié. Imagine. Tu veux rien montrer, hein, Dieu. Non, l'important c'est. Ah bon, c'est pas revoilà ton pod dans l'état où tu l'as laissé. Je crois qu'il avait marqué PD. Comme tu le sais déjà, il te sert à choisir non. des jeux, trouver des amis et héberger des rencontres sans avoir oui, à te connaît, soucier on du a déjà ménage. Vu ça dans les tomes du planète. Tu remarqueras qu'il y a une manette au centre. Ça, chère petite créature, c'est l'ordinateur de ton pote. Il te suffit de te placer devant, d'appuyer sur la touche menu, et c'est reparti pour l'aventure. Non, c'est pas une claque. L'ordinateur du pote, c'est ta passerelle vers toutes les merveilles et beautés dont regorge Little Big Planet. Il y a beaucoup d'autres choses à faire maintenant. Alors prépare-toi à avoir le cerveau chamboulé, étiré et secoué par les beautés de l'univers imaginaire. Histoire. Larry Da Vinci est l'un des... Ce badge marque le début de ta quête. Appuie sur la touche action pour commencer à explorer ou sur la touche... Après ça, on arrête la vidéo. Pourquoi il dit que déjà fait? Hein? Pourquoi il dit que t'as déjà fait? Parce qu'on l'a déjà joué dans la démo. Allez. On voit ça, on voit ce niveau, ensuite c'est bon, d'accord? Allez, c'est parti. Moi, mon tout premier Little Big Planet que j'ai vu de mes yeux, c'est le 2. Ça va. Qu'est-ce que ah, c'est bon. Sac priant ? Combien de temps ça fait? Oh oh oh. Une minute. D'accord, donc la vidéo elle va être coupée. Non, c'est moi qui prends tout. Après, est-ce qu'on récupère tous les deux la même chose? Un jour, je suis resté coincé dans un pantalon. Parfois, tu risques de rester coincé dans les Little Big Planet. Mais tout n'est pas perdu. Oui, je sais. Here and there, the one.
dans Little Big Planet, les autocollants sont de petits chefs-d'œuvre, de véritables bijoux que tu peux collectionner en te promenant dans le paysage imaginaire. Appuie sur la touche menu pour ouvrir ton pop-it et sélectionne autocollants et déco avec la touche action. Admire-moi un peu cette merveille, Alexis. À côté de la chapelle Sixtine. Hey, attends. Cette nouvelle fonction risque de faire tressaillir de joie tes neurones en chiffon. Le prochain. Tu veux jamais la garder. Parce que déjà que normalement je ne voulais pas faire de vélo. Parce que j'ai plus de place presque. Allez, c'est fini. Encore le bruit qu'il y a dans Call of Duty 3. Allez, maintenant la vidéo va se terminer. Et on va jouer au World of War. Non. On dit qu'on jouera au World of War pour terminer. Allez, on va enlever le CD. T'entends? Moi, je joue tout seul. Attends, les amis, voilà, ce serait la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez.